Ça ne m'amuse pas du tout, tu sais. Je sais. Je voulais juste attirer ton attention. Il est déjà presque midi. Tu as promis à Ciri que tu t'entraînerais avec elle. File, avant que Vesemir la fasse mourir d'ennui avec ses gravures. Le col est toujours aussi splendide. Je me disais que Ciri pourrait patienter un peu. Ce serait contre-productif et pas très raisonnable. Au diable, la raison. Eh bien, tu ne perds pas le nord, on dirait. Va t'entraîner avec elle, et puis reviens-moi. D'ici là, j'aurai eu le temps de me préparer. De toutes les femmes que j'ai connues, tu es bien la seule qui se prépare avant de... Tu en as connu beaucoup? Quelle importance. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Ça t'arrive de porter des vêtements autres que noirs ou blancs? Oui, mes sous-vêtements. Tout est en argent. L'or ne sied pas à mon teint. Tu devrais le savoir. Vieux sorceleur dort comme une bûche, et Ciri s'est encore volatilisée, bien sûr.
Manifestement, elle préfère la pratique à la théorie. Hein? Quoi? Éveille-toi, vieux sage. Tu t'endors pendant tes propres leçons, maintenant? Bon sang. Je lui faisais prendre des notes sur Ghoul et Al'Ghul. Je voulais juste me reposer les yeux. Tu lui fais lire ce pavé? Pas étonnant qu'elle se soit éclipsée à la première occasion. John de Brugge manque de style, certes. Mais c'est un auteur fiable. Pas comme les jeunes sots publiés de nos jours. Elle s'entraîne sur le pendule, n'est-ce pas? Je lui ai répété 100 fois de ne pas s'entraîner seule. C'est comme ça que l'on prend de mauvaises habitudes. Bon, amène-la-moi dans la cour inférieure. Si mademoiselle veut s'entraîner, on va l'entraîner. Ne sois pas trop dur avec elle. Et pourquoi pas? Cette petite insolente n'en fait qu'à sa tête. Ça fait partie de son charme, hein? C'est en partie ma faute, j'imagine. Mais il faut que ça cesse, et tout de suite. Tuer des monstres n'est pas une tâche à prendre à la légère. Ciri va devoir le comprendre si elle veut devenir l'une des nôtres. Je t'attends en bas. Non. Je comprends maintenant pourquoi tu voulais t'entraîner. Frappe. Tu n'es pas au cirque, Pirouette. Non, tes pieds. Ça suffit, descends. Pense au périlleux? À ton avis. Bien, enlève ton bandeau. Tu dois encore travailler. Tes réflexes sont trop lents. Pour un sorceleur, peut-être. Tu crois que les noyeurs ou les striges prendront des gants avec toi parce que tu n'as pas subi les mutations? En attendant, c'est surtout de Vesemir dont tu devrais avoir peur. Lui désobéir, c'est rarement une bonne idée. Oui, c'est vrai, mais... ce livre, quelle barbe! Je sais. Et tu sais très bien que ce n'est pas une excuse. Pardon. Ça n'arrivera plus, c'est promis. J'espère bien. Si tu recommences, Vesemir s'est juré de te faire manger un bol de limace salée. Beurre. Tout à fait. Alors fais un effort. Viens, on va s'entraîner avec les autres. On passe par les murs? Évidemment. C'est une école de sorceleurs, oui ou non? C'est en bas avant toi. Si tu tombes, peut-être. Qu'est-ce que je t'ai dit sur la respiration? Respire par la bouche, au rythme de tes pas. Arrête de faire l'imbécile. Tu as quelque chose à dire pour ta défense, jeune fille? Toutes mes excuses, oncle Vesemir. La jeunesse a besoin d'action, je peux le comprendre. Mais quand tu affrontes un monstre, le savoir est une arme au même titre que l'épée. Si tu es incapable de distinguer une goule d'une Al'Ghul, tu...
L'Algoul se caractérise par des rayures similaires à celles de la Panthera tigris de Zerikania et par la pâleur maladive de son visage. Tu as donc lu le chapitre, en fin de compte. Mais tu aurais dû me demander la... Tu dormais, oncle Vézémir. Tu avais lu le chapitre. Pourquoi n'as-tu rien dit ? Si un avantage se présente à toi, ne te précipite pas dessus. Attends le moment idéal pour en profiter. Oncle Vézémir dans le texte. Tu apprends vite, c'est bien. Mais tu es une vraie diablesse. Bon, assez parlé. Geralt, avec moi. Lambert, avec Eskel. Ciri, avec le mannequin. Encore ? Cesse de râler et prends une épée. À ton avis, on révise d'abord les fondamentaux ou on passe directement à l'entraînement libre ? On devrait revoir un peu les bases. Ça ne fait jamais de mal. Et Ciri n'est qu'une novice. Dégaine ton épée, Geralt. Enchaîne les attaques. 1, 2, 3. Frappe fort maintenant. Donne tout ce que tu as. Ne bloque pas ton coup quand tu frappes. Est-ce que ça frappe fort ? Tes pieds, Ciri. Tes pieds, concentre-toi. Ciri observe la manière dont Geralt tient son épée. Regarde bien l'angle. Fais semblant. Un peu d'imagination. Riposte. Frappe. Contre-attaque. À présent, jeune fille, pour conclure, nous allons réviser quelques signes des sorceleurs. Commençons par Gwen. Ciri, on surnomme parfois Gwen le bouclier du sorceleur. Maintenant, observe. Tu comprendras. L'insignie. Je veux voir des étincelles. Tu vois. Sans le signe de Gwen, je brûlerai comme une torche. Ah, ça verra. À toi de jouer. Tu as vu, Ciri. Hard peut à peu près tout déséquilibrer. Briser l'élan. Passons à Axie. Axie a l'art d'embrouiller l'esprit. Passons à Irden. Montre-lui, Geralt. Tu vois ceci, Ciri ? Je serai incapable de le déplacer. Jette une bombe. Ne t'en fais pas, Ciri. Gwen atténuera l'impact. Très bien. Ça suffit. Entraînement là. Tu comptes me faire languir longtemps ? Ah.
ça, par exemple. Il a compris la leçon. Siri, redescends. Ah, la petite diablesse. Quand elle sera revenue, on l'enverra fourbir toutes les effets de Kaer Morhen. Tu as retrouvé le casque ? Siri. Compte sur moi pour te dénicher la moindre épée du château. Va bien. Oui, j'ai fait un cauchemar. À quel sujet? Ce serait trop long à expliquer. L'aube est encore loin. Rien ne presse. J'étais dans la chambre d'hôte, à Kaer Morhen. Je prenais un bain et à côté de moi, il y avait... Triss? Yennefer. Bizarre, non? Elle n'a jamais mis les pieds là-bas. Et dans mon rêve, tout semblait normal. Tu veux dire qu'elle te cassait les pieds? Pas de doute, alors. C'était bien elle. On va la retrouver. Oui, je n'en doute pas. Ce n'est pas ce qui m'inquiète. Tu as vu ces traces? Elles filent comme le vent par monts et par veaux. Presque sans s'arrêter. Elle est pressée d'arriver quelque part, ou fuit quelque chose. Dans les deux cas, ça sent les ennuis à plein nez. Je serais surpris qu'elle n'ait pas de problème. Elle trempe constamment dans des intrigues de cour et des conspirations de mages. Tu t'attendais à quoi? Je ne sais pas. J'ai cru qu'une fois réunis, le calme s'installerait. Du moins pour un temps. Le calme, avec Yennefer. Bon courage. Dans mon rêve, je retrouvais Siri et... je m'entraînais avec elle. Ah, ce petit diablotin. C'était le bon temps. J'ai formé des gamins plus forts ou plus rapides. Mais jamais avec un tel caractère. Ton rêve, tu disais que c'était un cauchemar? La chasse sauvage est sortie de nulle part pour se jeter sur Siri. Et moi, j'étais immobile, incapable de bouger un cil. Ce n'était qu'un rêve, Geralt. Non, ce n'était pas un simple rêve. Et puis toujours, chaque fois que Siri apparaît dans un de mes rêves, c'est qu'elle est en danger. Nous lui avons appris à se défendre. Elle ne craint personne, pas même les spectres. Le soleil va bientôt se lever. Allons-y. Attends, montre-moi la lettre de Yennefer. J'ai peut-être négligé un détail. Tu n'as rien négligé du tout. D'après sa lettre, on devait se retrouver à Pont-Soleil. Et comme entre-temps le village a été rasé, il ne nous reste plus qu'à remonter sa piste.
Tais-toi donc une minute et passe-moi cette lettre. Ça, par exemple. C'est vrai qu'elle sent le lilas et la groseille à macro. Je croyais que tu voulais la lire, pas la renifler. Il faut qu'on se voie, et vite. Pensolé près de Vizima. Il n'y a aucune autre piste. Ça veut dire quoi, ce post-scriptum? J'ai encore la licorne. C'est une licorne empaillée qui nous a servi lors de situations délicates. Ah, les jeunes de nos jours. Revenons-en à nos moutons. D'après toi, Yennefer a combien d'avance sur nous? 2 ou 3 jours, pas plus. La piste est encore fraîche, mais j'ai l'impression qu'elle mène à la grande route. Là, on pourrait la perdre. Attends, tu les entends? Je les entends et je les sors. Des goules. Les armées laissent toujours des nécrophages dans leur sillage. Filons avant que d'autres ne surgissent. Je t'ai déjà parlé de ce mage qui considérait les nécrophages comme des créatures utiles. Pourquoi? Parce qu'on peut faire des potions avec leur sang? Non. Soi-disant parce qu'en mangeant les cadavres, ils empêchent les épidémies de se répandre. Et tu lui as dit qu'il mange aussi les vivants? Oui. Ça ne lui a pas plu. Sa belle théorie est tombée à l'eau. La guerre tourne mal pour nous. Nous? Les royaumes du Nord. Les royaumes de Radovid, tu veux dire. La Téméria et Edir n'existent plus. Radovid a promis de restaurer les anciennes frontières dès que la guerre sera terminée. Et tu y crois vraiment? Il faut bien croire en quelque chose, non? Sinon, à quoi bon vivre? Il est parti? Oui, vous pouvez sortir. Par les dieux, c'était moi une. Je me voyais déjà partager le sort de ma jument. Avec de la chance, oui. Votre cheval est mort rapidement. Mais les griffons aiment jouer avec leur proie, la manger vivante, morceau par morceau. Oh. Vous attendez une récompense, j'imagine? Quelques couronnes ne seraient pas de refus. C'est que ma bourse est bien vide en ce moment.
Les Nilfgaardiens ont réquisitionné mes biens, et avec cette attaque... Tenez. Alors, la piste ? Comme je te disais, elle rejoint la grande route, et ensuite, elle disparaît. Vous cherchez quelqu'un ? Oui, une femme. Taille moyenne, cheveux longs et noirs. Ça vous dit quelque chose ? Non, mais... Il y a une auberge à Blanchefleur, la seule de la région. Il y a beaucoup de passages là-bas. On pourra peut-être vous aider. Pourquoi pas ? On en profitera pour nettoyer cette blessure. Oh, c'est juste une égratignure. D'un autre côté, je dirais pas non à un petit verre bien frais. Allons-y. Dans une forêt ou dans les montagnes, je ne dis pas, mais ici, si près de la grande route... Il a peut-être été attiré par la guerre. L'odeur des cadavres, du sang, de la chair brûlée, ça a fait perdre la tête à plus d'un monstre. Et à plus d'un homme. Redoublons de prudence, Arius. Et une fois que nous aurons une piste, ne nous éternisons. Au galop, Abed. Décrochez ça, si vous voulez pas d'histoire. Ça, c'est le blason de Lys de la Téméria. Il est très bien là où il est. La Téméria n'existe plus, vieillard. C'est Nilfgaard, maintenant. Mon cul, oui. Pas avec ces saloperies de mutants. Désolé pour cette bande d'abrutis. Ne vous en faites pas, nous avons l'habitude. Les gens sont nerveux. Les armées vont et viennent, et pour couronner le tout, il paraît qu'un griffon rôde dans les barrages. Oui, on a croisé sa route. Une vilaine bête. Vilaine ? Moi, ça ne me fait pas rire. Elle a mis Léna en charpie. La pauvre a déjà un pied dans la tombe. Mais ça ne sert à rien de s'apitoyer sur son sort. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Vous avez de la vodka ? Et vous ? Je vous sers de quoi vous rincer la bouche ? Les affaires tournent bien, on dirait. Tout le pays est en marche. Certains vont rejoindre leur famille, d'autres fuient la guerre. Et tout ce beau monde a besoin d'un endroit pour boire, manger et dormir. En somme, la guerre vous réussit bien. Oui, pour l'instant. Mais j'aimerais autant que la paix revienne. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Il y a un contrat pour le Griffon ? Non, pas pour le moment. Autrefois, dès qu'un monstre s'installait dans la région, les chevins organisaient une collecte ou demandaient de l'aide au seigneur. Mais aujourd'hui, ils n'osent même plus pisser sans demander la permission des escadrons noirs. Et le seigneur est mort, donc pas de contrat. Dommage. On aurait pu vous aider, mais pas gratuitement. Montrez-moi un peu ce que vous avez derrière le comptoir.
Je cherche une femme. Cheveux noirs, les yeux violets. Toujours habillée en noir et blanc. Elle serait venue de Pont-Soleil. Et... ça va vous paraître étrange. Mais elle porte peut-être un parfum de lilas et de groseille. Je ne l'ai pas vue et encore moins sentie, votre dame. Je pense que je m'en souviendrai. Oui. En général, elle fait forte impression. Cela dit, vous pouvez toujours demander aux clients. Ça vous coûtera rien d'essayer. Merci. Ce sera tout. Je t'aide à panser la plaie ? Je t'en prie, je peux encore me débrouiller tout seul. Dans ce cas, je vais me renseigner sur Yennefer. N'oublie pas qu'il vaut mieux éviter d'attirer l'attention sur nous. Il paraît que les escadrons noirs mesurent les champs. Oui ? Qu'y a-t-il, loup blanc ? Déjà 6 mois se sont écoulés depuis cette chasse au fielon à Vorune. Tu te rends compte ? Oui. Et il n'y avait pas que le fielon. Comment s'appelait-il déjà ce salaud-là ? Drugal ? Que la terre lui soit légère. Avant, c'était plus simple. D'un côté les monstres, de l'autre les humains. Désormais, les frontières sont brouillées. Ce n'est pas nouveau. Tu as oublié, c'est tout. Me charrier sur mon âge, toi, alors que tu vas sur tes 100 ans. À plus tard, Vézémir. Je cherche quelqu'un. Et nous, on cherche la paix. Dégage, monstre. Ton haleine va faire tourner ma bière. Avez-vous vu une femme aux cheveux noirs, vêtue en noir et blanc ? Parlez. Elle est passée dans le village il y a 2 ou 3 jours. Au grand galop, sans s'arrêter. Même qu'elle a renversé Radobor. Vers où est-elle allée ? Je sais pas. Les traces s'effacent vite sur la grande route. Elle a pu aller n'importe où. Hé, les gars ! Le mutant a volé l'esprit de Mishko ! Oui. Et si vous continuez à beugler, je vous coupe la langue. Ce n'est pourtant pas compliqué. Il y a 4 factions. 4 quoi ? Factions. Équipe. Quelle perte de temps. Le jour où vous comprendrez ces règles, la Terre tournera autour du Soleil. Vous avez un instant ? Oui, pourquoi pas. Alder Geert, professeur adjoint en histoire contemporaine à l'Académie d'Oxenfurt. Gérald de Rive, sorceleur diplômé. Je cherche une femme, cheveux noirs, vêtue en noir et blanc. Vous ne l'auriez pas vue par hasard ? Bien sûr que non. Contrairement à la populace, je sais que la cavalière de la guerre n'est que pure affabulation. Comment ça, la cavalière de la guerre ? On raconte qu'une cavalière fantomatique chevauche la nuit dans les champs. Elle entraîne des armées dans son sillage et ceux qui croisent sa route sont frappés par le malheur. Oui, ça pourrait correspondre. Et vous savez si quelqu'un l'a vue ? Non, je m'intéresse aux faits. Pas aux légendes. Je ne m'attendais pas à trouver un érudit dans cette auberge. Vous fuyez la guerre ? Au contraire, je lui cours après. Je voyage vers le front. Vous voulez mourir ? Je veux apprendre. Le savoir est plus important que la vie, et les vieux tomes poussiéreux ne peuvent étancher ma soif d'apprendre. Je veux voir l'invasion nilfgaardienne de mes propres yeux, la comprendre et en rédiger la chronique. Ce sera mon magnum opus. Bonne idée.
Allez-y. Et décrivez la guerre dans toute son horreur. Pas de bannières flottant au vent, pas de charges héroïques, mais des viols, du sang et une cruauté sans bornes. Ah, vous n'avez pas l'œil d'un académicien, mon cher. Le viol et la cruauté sont des détails sans importance, de simples ornements sur le grand manteau de la guerre. Allez dire ça aux habitants des maisons brûlées. La guerre a-t-elle atteint Novigrad ? Non, mais ça ne saurait tarder. Nilfgaard sur une rive, la Redania sur l'autre, comme des chiens prêts à se battre pour un os juteux. Un os qui pourrait bien leur rester en travers de la gorge. En effet, à Novigrad, nous n'avons jamais hésité à prendre les armes pour défendre notre liberté. Surtout les érudits, bien sûr. La connaissance est une arme tout aussi efficace que l'épée. Ce sont les architectes de notre académie qui ont conçu nos murailles. Des murailles qu'aucune machine de guerre n'a jamais réussi à briser. Je dois partir. Au revoir. Un instant, sorceleur. Vous êtes un homme du monde. Peut-être connaissez-vous le Gwynt. Non, et je n'ai pas vraiment le temps d'apprendre. Mais les règles sont très simples. Allons, laissez-vous tenter. Ma foi, pourquoi pas ? Formidable. Alors voilà, c'est très simple. Donc, vous avez un don pour le Gwynt. Si vous passez à Oxenfurt et que vous souhaitez affronter un maître, demandez Stiepan. Ce modeste aubergiste est un véritable génie du Gwynt. Je m'en souviendrai. Merci. À la prochaine. Je cherche une femme. Comme tout le monde.
Non, pas comme tout le monde. La femme que je cherche s'habille en noir et blanc et sent le lilas et la groseille. Deux schnapps. Pour vous remonter le moral. Très bien, trinquons. Bon, écoutez, je suis pressé. Vous l'avez vu, oui ou non? Yennefer de Wengerberg? Je ne vous ai pas donné son nom. Certes, mais vous l'avez décrite à la perfection. Je n'oublie jamais rien, c'est mon petit talent. Qui êtes-vous au juste? Un simple vagabond. Gaunter de Murray, pour vous servir. Vagabond? C'est une profession maintenant? J'étais jadis marchand de miroirs. Les bonnes gens m'appelaient Maître Miroir ou l'Homme de Verre. Comment connaissez-vous Yennefer? Quelle question. Par les balades de Maître Jasquier, bien sûr. Le seul moyen pour un simple marchand d'approcher la grandeur. À moins qu'il soit aussi chanceux que moi. Et qu'il rencontre un sorceleur très patient. Le célèbre Gérald de Rive. Le boucher de Blaviken en personne. Et vous m'avez aussi reconnu d'après les balades de Maître Jasquier, peut-être? Santé. Avez-vous vu Yennefer? Oh, pardonnez-moi, mais je dois vous poser la question. Faites-vous cela par amour? Par amour, oui. Pour quelle autre raison? J'en étais sûr. Dites-moi tout ce que vous savez. C'est amusant. Avant de vous rencontrer, je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse s'agir de Yennefer. Venez-en au fait. Un éclaireur Nilfgaardien l'a aperçue il y a quelques jours. Où ça? Elle est entrée au galop, dans le camp, au plus profond de la nuit. Vêtue de noir et de blanc, précédée d'une senteur de lilas et de groseille. Oui, je m'égare. Elle a parlé avec le commandant, puis elle est repartie. Vers où? Je ne suis pas omniscient. Demandez à la garnison. Merci. Entre voyageurs, il faut se serrer les coudes. Qui sait? Un jour, peut-être, vous me rendrez l'appareil. Oui? Qu'y a-t-il, loup blanc? À plus. T'as fini de boire? Alors fous le camp. On veut pas de toi ici. Trois contre un, à votre place, j'irai chercher du renfort. Vous n'avez pas la moindre chance. J'ai pas besoin d'être pour te péter les dents. Si j'avais un sac sur la tête et les mains liées dans le dos, peut-être. Non, en fait, non. Chet, laisse, reculez. Je vais donner une bonne leçon aux mutants. Plaisir. Vous cherchez les ennuis ?